Bonsoir, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver pour le 35e et dernier numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Eh bien, oui, c'est la fin. Et dans ce dernier numéro, on va commencer par ce qui fait l'actualité. D'ailleurs, ce sera le thème principal, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui se dérouleront donc en 2021, suite à ce report concernant et suite au Covid-19, conséquence du Covid-19. Et puis, le compte à rebours des Jeux de Tokyo qui a démarré jeudi 23. Les organisateurs qui marquent le point une année de l'événement. Et Thomas Bach qui lance un message à l'ensemble des sportifs, tous ensemble pour réussir ces Jeux Olympiques. Bloqué en Afrique du Sud, Toufik Makhloufi, le champion olympique de retour en Algérie après 5 mois d'absence. Le véliplanchiste algérien, champion d'Afrique également, Hamza Bourras, qui reprend les entraînements après la décision de réouvrir les sites d'entraînement pour les athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques. Tout cela avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. C'est un habitué à 52 chronos. Le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed Liamani, premier Algérien à avoir participé à des Jeux Olympiques. C'était à Tokyo en 1964. Monsieur Liamani, bonsoir. Très heureux que vous soyez parmi nous. Bonsoir, mais merci pour l'invitation. Voilà, avec vous, on va revenir sur ce périple et surtout sur cette première en 64. Vous allez certainement nous raconter les côtés anecdotes et surtout l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Nordin Hani, toujours avec nous, toujours présent comme chaque lundi pour nous faire plaisir et surtout nous donner ses analyses concernant le sport algérien. Nordin, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir Monsieur Liamani, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Donc tous les week-ends, vous avez dit c'est la fin. C'est jamais la fin, c'est juste une petite pause. Petite pause. Pour mieux rebondir après, j'espère qu'on revenir. reviendra avec de meilleurs sujets, que le sport algérien reprendra avec la fin de ce Covid. On l'espère tous et puis on reprendra de plus belle. Espérons un retour rapide à la compétition, surtout concernant toutes les disciplines. Comme je l'avais annoncé au titre, donc il reste une année avant la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo. Ça sera le 23 juillet 2021, plus exactement. Et quand on parle de Tokyo, ça coïncide avec notre première participation. Et c'était justement à Tokyo en 1964. Il y avait un seul participant. Et il nous fait toujours le plaisir de faire un rappel historique. Il est avec nous aujourd'hui. Siliamani, ça ne vous rajeunit pas quand on revient à 1964. Mais c'est toujours avec un grand plaisir de rappeler aux jeunes d'aujourd'hui la vraie histoire de votre participation. Même 56 ans après, j'ai l'impression que c'était hier. Oui. Donc, il est clair que, il y a 56 ans, comme dit, ça ne me rajeunit pas. Oui. Pour tout un chacun, je viens de faire mes 82 ans il y a quelques mois. Donc, l'historique ou cette histoire de Tokyo 64, c'est un événement que j'ai vécu. Mais qui a été quelque chose qui n'était pas prévu dans ma petite tête. J'étais à l'entraînement, comme tout un chacun, puisque j'étais membre de l'équipe nationale. Et l'année de 62, comme par hasard, c'était l'année de l'indépendance de l'Algérie. Donc 62 était l'année où j'ai ramené le titre de champion de France. Donc j'étais loin, loin, loin de penser à 64 en tant qu'Algérien. J'étais en préparation avec l'équipe de France. Est-ce que je peux continuer ou c'est... Oui, bien sûr, puisqu'en 60, vous étiez avec... Oui, en Vous avez pris part 60, j'ai pris part aux Jeux olympiques de Rome avec l'équipe de France. Mais l'événement qui m'a le plus marqué, c'est le 64. J'étais à l'entraînement, puis le directeur des sports à l'époque, c'était un militaire, Oui. Crespin, colonel Crespin, qui m'appelle. Première licence, voilà. On me dit, le colonel veut s'entretenir avec vous. Bon, je sors. Ça, c'est la lettre du premier courrier. Hein. Oui, ça c'est la lettre du président non, du comité olympique, c'est l'Alpha, oui. Très bien.
Et à ce moment-là, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, sans détour, aujourd'hui, votre pays est indépendant, qu'est-ce que vous choisissez? Vous restez avec nous ou vous rejoignez votre pays? Bon, c'est les, vous savez, quand on n'y est pas préparé, c'est un coup de massue. Oui. Mais j'ai dit simplement, attendez, laissez-moi quelques... Non, 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 je ne vous laisse rien. Ça s'est déroulé en 2 minutes. Hein. Entre mon arrivée, mon entretien, tout ça. Donc quand je dis, eh ben, je rejoins mon pays. À ce moment-là, on me dit, c'est fini, pour nous, vous n'existez plus. À partir de ce moment, vous n'existez plus. Allez demander à vos responsables de vous prendre en charge. J'ai dit simplement, je ne peux pas comme ça du jour au lendemain, puisque c'est les événements, il n'y a pas de structure d'accueil des Algériens en France, et est-ce que vous me permettez de rester au moins à l'Institut des Sports? Il dit, ah, pas de problème, vous êtes pris en charge, et à partir de ce moment-là, c'était la galère. Il fallait prendre contact avec Alger, j'étais en contact avec mon frère. Hein, ouais. Et je lui avais demandé de faire voir s'il y avait une possibilité de recrutement, ouais, au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports ou de la Fédération, donc je n'avais aucune idée. Hein, c'est, ouais, ouais. Donc ça s'est déroulé, et puis un beau jour je reçois une correspondance en me disant, ben, présentez-vous au ministère de la Jeunesse et des Sports pour signature de votre contrat. Je prends l'avion à mes frais, j'arrive à Alger, et là, vous savez, les rouages de l'administration sont lents, etc. Ouais. Après 2 jours de pourparlers ou 3 jours, le dernier jour, je dis, mon avion part dans quelques heures, je signe mon contrat, vous ne me verrez jamais plus. Le directeur des sports, à l'époque, me dit, mais on a besoin de vous tout de suite, là, parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais je lui dis, attendez, vous voulez l'athlète ou vous voulez le ouais, dirigeant? Laissez-moi quelques temps pour me convertir, ouais, et quand je reviendrai non pas en tant qu'athlète, mais en tant que dirigeant. Après les Jeux, oui. Donc la signature s'est faite, et puis je suis retourné à Paris, et... je m'entraînais avec mon club, le club de la Société Municipale de Puteaux, et nous étions en préparation pour la Coupe de France, d'ailleurs que j'ai gagnée 4 fois. 4 reprises. Et un beau jour, je reçois, la correspondance ou la demande du comité olympique par M. Larfaoui, me disant que si j'acceptais de représenter l'Algérie à Tokyo. Ouf, quelle nouvelle! Et bien entendu, je reçois la correspondance me désignant comme athlète, ouais, pour Tokyo. Sur Al-Fawi, qui était secrétaire général du comité olympique. Et membre fondateur. Un des membres fondateurs du comité olympique. Oui. Et puis, donc j'ai continué à m'entraîner. Mais à l'Institut des Sports, quand vous sortez d'un groupe, si vous voulez revenir, vous êtes étranger. Même si il y a une amitié hors... d'ailleurs, je suis en contact avec eux. C'était plus le mec. Oui. Je suis en contact avec eux jusqu'à présent. Hein. Ouais. Donc, 56 ans après, je suis toujours en contact avec eux. On a toujours une grande considération les uns en votre regard. Et donc je me suis préparé, disons que j'étais une appendice à l'intérieur de ce groupe. Donc moi je n'avais pas d'entraîneur attitré, donc je m'entraînais. Et puis je reçois une correspondance disant tel jour à telle heure, la délégation composée du président et secrétaire général, Maouche. Vont arriver donc à l'Institut des Sports et tenez-vous prêts à les accueillir. Donc ils arrivent et c'est à ce moment-là que j'ai reçu mon passeport algérien. Il faut rappeler le contexte de l'époque, tous les athlètes algériens, athlètes d'élite, donc prenaient part avec l'équipe de France à les compétitions étrangères. Moi j'étais étranger, j'étais français, donc j'avais le passeport français, donc il a fallu le restituer, et puis j'ai eu le passeport algérien. Le passeport algérien,
Et comme par exemple, on nous a acheté, disons, on s'est acheté une tenue. Alors, c'est l'anecdote. Hein. Ouais. On me ramène un survêtement vert délavé, la réchauffée. Je dis, c'est ça la représentation algérienne, la première avec un. Donc, il y a eu quand même un sursaut de. Oui. Il y a eu un très beau survêtement avec une très belle tenue, le blazer, enfin tout le nécessaire. Et nous voilà partis pour Tokyo. Le périple de Tokyo. On va écouter, si vous permettez, Sel Arfaoui, que nous avons enregistré il y a de cela 2 années au sein du musée olympique, le musée que vous dirigez à l'époque. Et vous êtes d'ailleurs le premier directeur de ce musée olympique. On va écouter C. Mustapha Al-Arfaoui revenir sur les conditions dans lesquelles il avait convoqué M. Liamani. À l'époque, c'était M. Lazari. Et là, nous avons tenu absolument à être présents aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais nous n'avions pas d'athlètes à l'époque. On venait d'être indépendants, mais on n'avait pas des athlètes du niveau olympique. Mais je savais qu'il y avait un athlète en France qui s'appelait Lazari Mohamed à l'époque, Yamani maintenant, et je me suis dit, il est qualifié pour participer aux Jeux Olympiques, il avait participé déjà aux Jeux Olympiques de Rome, et j'avais appris qu'il était sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je me suis dit, tiens, je vais le contacter, c'est un Algérien quand même, il est champion de France. Je vais le contacter, je vais lui demander s'il accepte de participer. On s'est dit, même si on participe avec un athlète, au moins la délégation algérienne sera présente aux Jeux Olympiques et le drapeau flottera au niveau du stade lors de la cérémonie d'ouverture. Je lui ai envoyé un message. J'ai été très surpris par la rapidité avec laquelle il a répondu à ce message en disant, oui, d'accord, je participe au titre de l'Algérie. Et c'est comme ça que, après consultation des instances officielle, ministérielle, nous avons décidé d'être présents et de nous rendre à Tokyo. Et il y avait le docteur Maouch en tant que président et moi-même en tant que secrétaire général. Nous étions les invités du Comité international olympique. Et Mohamed en tant qu'athlète, sans entraîneur ni rien. Et nous avons été présents immédiatement après l'indépendance du pays. Nos premiers Jeux olympiques en 64 à Tokyo. Ah, ça c'était pour l'histoire et surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, Nordinani, qui doivent mesurer un petit peu la dimension de cette première participation. Je parle déjà. Bah oui, déjà c'est une histoire palpitante qu'est en train de nous raconter donc Monsieur Lazari. Mais je pense que 64, c'est 2 ans après l'indépendance, l'impact était beaucoup plus politique. Que l'Algérie soit reconnue, bon, elle était déjà reconnue, si vous voulez, sur le plan politique, en 62, l'indépendance, mais c'était une première compétition. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'important. Donc l'Algérie devait marquer de son empreinte donc, cette rentrée dans le concert mondial. Et donc il y avait cette aubaine, quelqu'un qui avait déjà fait les Jeux Olympiques, qui était qualifié avec les Français, qui acceptait. Attention, c'est très important. Parce que quand on a été pendant longtemps français, par la colonisation, oui. Accepté comme ça, bravement, de changer, alors qu'il était athlète de haut niveau, donc de changer et d'opter pour un pays qui débutait, c'est tout à l'honneur de M. Lazari. Donc je pense que c'était bien vu de la part du comité olympique, c'était bien accueilli de la part de M. Lazari, et je pense que tout le monde devrait s'en inspirer. Surtout en ce moment, donc, là où notre sport ne va pas au plus haut, oui. De s'inspirer de cet exemple et d'essayer de tirer, comme l'ont fait les gens de 64, d'essayer de tirer, surtout qu'on est à l'orée. Normalement, les Jeux Olympiques, s'il n'y avait pas eu le Covid-19, allaient débuter. Ils auraient dû débuter. Là, ils sont reportés d'une année. Nous sommes une nation qui, en 64 déjà, a marqué de son empreinte. Donc en 2021,
nous devons être vraiment présents et dignement présents. Et fêter cette première participation qui coïncide avec ce pays, le Japon. Une fois sur place, vous l'aviez déjà dit à maintes reprises, notamment le jour de la clôture du dossier en présence de l'ambassadeur du Japon au musée olympique algérien, vous aviez dit que sur le plan médiatique, cette première participation valait 10 fois plus que les nombreux titres que vous aviez décrochés avec votre club et avec l'équipe de France également. Il est clair qu'on ne parle pas du titre de champion de France, de 4 fois la coupe de France, etc. Parce que je faisais partie d'un groupe. Oui. Et d'un seul coup, je me retrouve représentant d'une nation. D'une nation, une nouvelle nation, seul. Et seul. Et comme vient de le dire notre ami, c'est là, on ne s'appartient plus. Et d'ailleurs, ce qui est, disons, dans l'historique de cette participation, il y avait l'entité politique, c'était l'ambassade d'Algérie à Tokyo. Très bien. Et j'ai reçu ou je recevais la visite des représentants pour savoir qui j'étais. Et donc, quelle était ma mentalité à l'époque, français et puis d'un seul coup algérien, pour savoir si j'étais pleinement algérien ou si c'était moitié-moitié. Donc, rassuré disons, de la position, parce qu'on ne s'appartient plus, on est plus technique, on devient, ouais, par la force des choses, politique. Parce qu'au niveau du village olympique, j'étais seul. Donc, je représentais la délégation. Je faisais face, quand il y avait des journalistes qui arrivaient pour la télévision, journalistes pour les interviews. Vous étiez la vitrine du sport algérien. Il y avait la cérémonie d'ouverture. Et puis, au village, il y a eu la levée des couleurs pour fixer la présence de l'Algérie. La veille de la cérémonie. Oui, la veille de la cérémonie, il y a la levée des couleurs, l'Algérie présente. Donc, il y avait M. Larfaoui, Dr Maouch. Et là, je vous dis, on ne s'appartient plus. Le côté technique est devenu presque secondaire. Et quand arrive le moment fatidique où c'est rentrer au stade. Donc, rentre au stade, avant de pénétrer, on est distrait par le nombre de participants, etc. Et puis, quand on vous dit, ça y est, c'est le défilé. À partir de ce moment-là, qui défile? Ce n'est plus l'individu, c'est la nation qui défile. Ouais. Et c'est c'est quelque chose de... Vous savez, quand... J'en parle et j'ai des frissons quand j'en parle. Et c'est à ce moment-là, je vous dis, on ne s'appartient plus. Ouais. On devient... C'est l'Algérie qui défile, le drapeau algérien. Et à partir de ce moment-là... Et à ce jour, je vous dis, on ne me parle pas de mon titre de champion de France et toute ma carrière passée, même pas les Jeux Olympiques de 60, mais on me parle tout le temps, que Dieu fait, on me parle toujours de Tokyo et 64. Comme quoi le sport, c'est un vecteur très important dans un pays. Il l'a été avant l'indépendance avec l'équipe du FLN, oui, qui, elle, a donné un message. Et il l'a été après l'indépendance, avec cette première participation aux Jeux Olympiques. Donc, il faut retenir que le sport est quelque chose de très important dans une nation et qu'à lui seul, il peut transmettre des messages extraordinaires. Et c'est sûr. Vous savez, en fin de compte, participer aux Jeux, quels que soient les Jeux, ouais, on sort, il y a combien de millions d'Algériens et vous êtes le représentant. À Tokyo, j'étais le seul représentant avec, bien entendu, les deux administratifs qui étaient là, c'est le président et le secrétaire général. Mais chaque athlète devient un ambassadeur de l'Algérie à travers le monde. Et là, vous savez, le rôle d'un ambassadeur, c'est pas de l'à peu près. C'est quelque chose de sérieux et vous véhiculez... De précis. Et vous véhiculez quelque chose. Une image. Vous savez, c'est quand il y a des jeunes scolaires qui venaient au village olympique, et ils vous toucheraient presque, ou ils vous touchent en disant
Vous existez. Vous existez. Est-ce que l'Algérie, c'est où? C'est quoi l'Algérie? Et vous êtes obligé, à ce moment-là, de répondre d'expliquer. Et là, il n'y a pas de faux fuyant. Il faut donner la réalité de notre nation. Et la belle image. Et puis, comme il y avait l'équipe du FLN qui a, à travers le monde, a fait quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y avait ce petit bonhomme qui arrive en 64. Et qui fait découvrir l'Algérie. Qui fait découvrir l'Algérie. Et puis, aujourd'hui même, je dis demain, ceux qui représenteront l'Algérie, j'espère, en 2021, d'ores et déjà, il faut qu'ils prennent conscience qu'il faut qu'ils revêtent le survêtement de l'Algérie. Ce n'est plus l'athlète qui va là-bas, mais c'est l'ambassadeur de l'Algérie à travers le monde. Et vous parlez avec émotion. Mustapha Al-Arfaoui, votre compagnon de route, lui également parle avec émotion, notamment quand il revient sur l'accueil chaleureux des Japonais à l'époque et les conditions dans lesquelles l'Algérie prenait part pour la première fois à des Jeux Olympiques. Parce que, oui, et je dois souligner vraiment que nous avons eu un accueil extraordinaire de la part des Japonais et de notre ambassadeur, c'est Ben Habides Abdelmalek, toujours en vie. Et je suis vraiment ici, coupé en quatre, parce que nous n'avions ni tenue ni rien du tout, nous nous sommes rendus vraiment à l'aveuglette, mais nous étions présents. Et nous nous sommes fait faire des tenues là-bas, etc., pour défiler, etc. Plus de 50 ans, avec fierté. Oui, vraiment, avec fierté, avec bonheur, avec grande satisfaction. Non. Ça valait le coup. Et puis, vraiment, je dois rendre un hommage particulier aux autorités de l'époque, parce que moi, j'étais fonctionnaire de la santé publique, pas du sport, aussi bien des autorités de la santé publique et du sport. Voilà, rendre hommage à tous ceux qui ont pris part à cette réussite, hein, puisqu'on peut parler de réussite. À l'époque, en 64, l'Algérie prenait part pour la première fois des Jeux Olympiques avec Sidi Azhari, Dr Maouch Orbi Rahmou et M. Al-Arfaoui qui était secrétaire général à l'époque. Il y a 2 années de cela, lorsque vous étiez donc directeur du musée olympique algérien, vous avez organisé une cérémonie avec l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité olympique algérien, cérémonie pour clôturer le dossier de 64, en présence de l'ambassadeur du Japon. Oui, étant directeur du musée, je voulais absolument marquer la fin ou le début d'une opération, c'est-à-dire de rassembler tout ce qui est archives au niveau du musée olympique, les objets et tout ce qui peut rappeler Tokyo. Tokyo. Et puis ouvrir la porte à les différentes participations algériennes à travers les Jeux olympiques. Vous savez, Tokyo, si je n'avais pas mes propres archives, c'est-à-dire les photos, tout ce qui est la convocation du président du comité olympique, la lettre manuscrite du président de la fédération algérienne de gymnastique et ma carte d'identité, enfin tout ce qui... D'ailleurs, je regrette une chose, c'est d'avoir donné le drapeau de la délégation algérienne dans une cérémonie du comité olympique, croyant qu'à l'époque, qu'on allait prendre ça comme un objet précieux. Précieux. Le temps a passé, il a disparu. Mais je voulais absolument que, à Tokyo, pour cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de son Excellence l'ambassadeur du Japon, clôturer Tokyo, mettre toutes ces archives quelque part, et les donner à un historien pour véritablement faire les diagnostics complets de cette participation. Des écrits. Et les écrits, etc. Et puis à partir de là, ouvrir les autres dossiers. Disons que la cérémonie est, je pense, une cérémonie réussie.
Maintenant, n'étant plus directeur, j'espère que la nouvelle direction prendra acte de la suite. Il faut ouvrir 68, parce qu'il y a encore, c'est la même chose, ce sont mes propres archives. Vous étiez présent à l'époque avec votre frère. Avec mon frère, avec deux boxeurs, plus le docteur, j'ai oublié de son nom, et il y avait le docteur Quidry. Très bien. Et il y avait une petite délégation au niveau de 68. Donc le dossier de Tokyo 64, rapidement, notre dernier. On va écouter d'abord l'ambassadeur du Japon. Pour rester dans son raisonnement. On écoute l'ambassadeur du Japon et on revient juste après pour rester dans l'ambiance de 64 et la clôture des Jeux de 64. On l'écoute. C'était un grand événement pour le Japon et pour l'Algérie. Et pour le Japon, c'est la première fois d'organiser les Jeux Olympiques d'été à Tokyo. Et aussi pour l'équipe algérienne, M. Yamani, c'est un seul athlète participant algérien pour ces Jeux Olympiques. C'est très commémoratif. Et puis, je suis très fier d'être ici aujourd'hui pour commémorer ces relations amicales entre l'Algérie et le Japon. Merci. Voilà, c'est un remerciement de l'ambassadeur du Japon. Oui, c'était touchant. C'est touchant. Je ne peux rien dire de plus. Vous en aurez à deux reprises, donc. Oui, je deviens depuis deux ans, je suis citoyen d'honneur du Japon. J'ai été honoré par le gouvernement japonais qui représente l'empereur du Japon. Et c'est une cérémonie qui s'est déroulée à l'ambassade du Japon. Et ça, c'est entre 64 et cette médaille. Ouais. C'est un demi-siècle, disons, d'engagement au service du mouvement sportif national. Okay. Voilà, moi, je voulais dire qu'on a pour habitude, en Algérie, donc, dès qu'il y a un responsable qui part, il y a un autre responsable qui vient et on oublie tout ce qui a été fait. Donc je pense que cette nouvelle direction du musée olympique, si elle doit vraiment faire cette histoire de 64, ils n'étaient pas présents à l'époque, ces gens-là. Ouais. Ils doivent s'appuyer sur M. Lazari. Donc je pense qu'ils doivent ramener M. Lazari et travailler en collaboration avec M. Lazari, sinon rien ne sera fait. Parce qu'il a beaucoup de choses à raconter. C'est lui l'histoire. C'était le seul. C'est lui qui a ramené les propres effets qu'il avait à l'époque. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a de nouveaux responsables. Bon, c'est un changement. On parlera pas de ce changement. Mais il faut que ces gens-là s'imprègnent de ce monsieur et qu'ils s'appuient sur ce monsieur pour pouvoir faire vraiment l'histoire, parce que c'est le début du sport algérien. 64, c'est le début du sport algérien. Et de notre côté, à Canal Algérie, on va continuer à suivre, bien évidemment, l'histoire, surtout, de cette première participation avec M. Liamani. On va revenir à vous, le temps de jeter un coup d'œil sur l'actualité au niveau national. Et bonne nouvelle pour donc Toufiq Makhloufi, Nourdine Hani, qui a rejoint le bled, on va dire, hier, après plus de 5 mois d'absence. Absolument. Donc c'est en Afrique du Sud. Absolument, c'est une bonne nouvelle tout autant pour Makhloufi, nous ne l'avons jamais assez dit, mais aussi pour tous les Algériens qui étaient bloqués à l'étranger par rapport à ce Covid-19. Makhloufi, c'est vrai, reste notre idole, reste notre champion. Il était loin de sa famille, mais c'était dans des conditions particulières. Finalement, voilà, ils ont répondu donc à ses voeux. Et il est content de rentrer en Algérie, ça va le remonter psychologiquement, hein, parce qu'il avait besoin de cela. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais pour Makhloufi, mais pour tous les Algériens qui sont bloqués à l'étranger. Voilà, on va l'écouter, il est heureux de rejoindre, de rallier donc l'Algérie, il est au micro de Fella Benour. Très très content, très heureux que je sois ici à mon pays, et notre cher pays, je remercie toutes les autorités pour l'aide pour rentrer au pays.
et pour être entre la famille, les amis. Comment vous avez vécu ça de loin, toute cette crise? Comment vous l'avez vécu de loin? C'était très difficile pour vous? Et c'est pas facile ça, vivre ça de loin. Quelle est la première personne que vous avez appelée dès que vous êtes arrivé? Ah non, encore parce que mon téléphone était déchargé. Et juste j'ai informé. Moral, comment vous vous sentez moralement? Non, maintenant je sens très 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 bien. Et juste que tu prends l'air du pays, ça c'est déjà l'adrénaline, ça monte. Et Inch'Allah, on va avoir un bon moral pour commencer la préparation pour les Jeux Olympiques pour l'année prochaine et pour honorer l'Algérie encore plus. Voilà, il a déjà honoré à trois reprises même, à Londres en 2012 avec ce titre olympique et deux belles médailles d'argent aux Jeux de Rio sur 800 et 1500 mètres. Alors là, je vois une très belle déclaration de Mahloufi en arrivant donc à l'aéroport, qui remercie l'État, qui remercie, il met en porte-à-faux les gens qui ont utilisé l'éloignement de Mahloufi, qui en ont fait un commerce, un registre de commerce, pour dire que Mahloufi a été abandonné, Mahloufi, on ne s'occupe pas de lui, c'est un champion olympique, abandonné par son pays. Il lui-même est en train de remercier les responsables du pays, lui-même est content et il assure qu'il est fier donc, de représenter l'Algérie. C'est une belle réponse que vient de donner Mahloufi à tous ceux qui ont voulu en faire un commerce. Et toujours la tête sur les épaules, et c'est ce qu'il dit à chaque sortie médiatique. Un commentaire, Célia Mané, sur le champion olympique? Vous savez, la plus belle parole, c'est qu'il se met au service de l'Algérie. Il a bien résumé, oui. Toute spéculation autour de ça ne valent rien par rapport à... Lui, il est conscient d'une chose, c'est qu'un athlète de son envergure, et il est le fleuron des athlètes algériens, et Tokyo, il se fera encore doublement plaisir aux Algériens d'être encore plus près que ce qu'il n'a été jusqu'à présent. Et comme vous avez dit, il ne s'appartient plus. Donc il appartient à l'Algérie et il va faire comme d'habitude, dignement représenter l'Algérie. On quitte l'athlétisme pour parler d'un autre sport, la voile, avec le véliplanchiste Hamza Bourras qui reprend l'entraînement après la décision de réouvrir les sites de compétition. Nordine, et vous étiez à Port El Bahri dernièrement pour lui dresser un portrait. Absolument, donc Hamza Bourras, tout le monde le connaît, 11 ans qu'il est champion d'Algérie, 4 fois champion d'Afrique, 2 fois champion arabe. Il domine le premier représentant au niveau des Jeux Olympiques. Il a fait les Jeux Olympiques de 2016 en étant champion d'Afrique. Il a fait les derniers championnats d'Afrique où sur le fil, il a battu le Malgache en menant l'Algérie donc une seconde fois pour les Jeux Olympiques. Il y a eu cette période de confinement où il est resté chez lui à essayer de s'entraîner. On n'arrivait pas à trouver des solutions rapides parce qu'un athlète, on l'a toujours dit, ne doit jamais s'arrêter. Quel que soit un athlète, ne doit jamais c'est s'arrêter. C'est une erreur de s'arrêter 4 mois. Absolument. Oui. Donc il s'est arrêté un peu. Heureusement qu'il y a eu un club qui se trouve au niveau d'Alger Plage où il y a des gens qui aiment cette discipline, qui aiment ce pays et qui ont tout fait pour que Hamza reprenne l'entraînement. Hamza a repris l'entraînement. Hamza est en train de s'entraîner. Hamza est en train de se préparer. Et on a été voir comment se préparait Hamza et quel était le moral de Hamza. Parce qu'en ce moment, c'est le moral qui ne va pas chez Hamza. On le saura dans un moment. On le saura juste après le reportage. C'était à Burj Al Bahri samedi dernier, dans une belle journée où Nordine Hani était sur l'embarcation pour le suivre. J'ai oublié mon short. Tu aurais dû ramener ton short. Allez, reportage. Vainqueur de la Coupe et du championnat d'Algérie de voile dans la série RSX depuis plus de 11 ans, 4 fois champion d'Afrique, 2 fois champion arabe et seconde qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo après celle de Rio en 2016. Hamza Bourras continue de dominer la spécialité depuis plus d'une décennie. Son dernier sacre africain en octobre dernier à Alger lui a ouvert la voie vers Tokyo 2020 et sa préparation a débuté.
Mois de janvier, nous avons fait un stage de préparation à Marseille où nous avons pris part à une compétition sous les couleurs de mon club d'Alger Plage. Et voilà que survient le Covid-19 et avec lui le confinement et tout s'écroule dans le rêve de ce champion. C'est alors qu'intervient le club sportif d'Alger Plage de la PAP qui va permettre à Hamza Bourras de reprendre espoir mais également l'entraînement. Cette pandémie a chamboulé les préparations de tous les athlètes du monde. Pendant le confinement, on a été pénalisé car ne pouvons pas faire de stage. Pour l'instant, j'ai repris la préparation avec mon club, dont ça fait maintenant près de 5 mois que j'ai rejoint. Il ne lésigne pas sur les moyens pour nous aider. L'arrivée de Mme Salima Souakri à la tête du sport d'élite va enfin voir notre champion être pris en considération. J'ai été reçu par Salima Souakri. Elle m'a rassuré quant aux préparations des Jeux Olympiques. Je la remercie chaleureusement. Espérons que le geste suivra la parole. Hamza Bourras, quant à lui, avec sa modestie et son amour pour la mer, continue à y croire et à se battre pour un sport auquel il a donné 20 ans de sa vie. Voilà, 20 ans de sa vie et il continue à faire de la compétition et il honore toujours l'Algérie en décrochant déjà dernièrement le titre africain. Il est pratiquement l'un des meilleurs ici en Algérie. Alors, est-ce qu'il fera partie du voyage ou bien il y a quelques informations à donner concernant son départ ou pas? Écoutez, jusqu'à hier, le journal de Canal Algérie de 19h où tout le monde annonçait que Hamza Bourras allait représenter l'Algérie aux Jeux Olympiques donc, de Tokyo, pour tout le monde, même pour l'athlète, pour sa préparation, pour le ministre des Sports qui lui a envoyé un message, pour Madame la ministre d'État chargée de l'élite qu'il a reçue il y a une semaine, l'assurant de son soutien pour les Jeux Olympiques. Donc pour tout le monde, jusqu'à hier, on était sûr que c'était Hamza Bourras qui allait être le représentant algérien. Or, hier, après donc, le journal de 19h, et après l'émission qui est passée sur Al-Luan TV comme invité Bourras, je reçois un message du président de la Fédération algérienne, M. Hassan Dilani, qu'on devait avoir en direct. Donc il m'a assuré de passer avec pas nous par téléphone. Toujours. Mais là, son téléphone est fermé. Donc on sait pas pourquoi. On lui aura donné l'occasion de parler, m'a annoncé que la Fédération n'a pas décidé encore qui sera le représentant algérien. Alors ce qui est étonnant, c'est que octobre 2019, il y a eu les championnats d'Afrique. Pourquoi attendre depuis octobre 2019 jusqu'à août 2020 pour décider qui représentera l'Algérie? Un champion olympique, M. Lazare le sait, ça se prépare pendant 4 ans. Ça ne se prépare pas en un mois. Donc, juste après la qualification, il avait la tête il est toujours. Mais là, il vient d'apprendre, il a appris, j'ai été obligé de lui annoncer. Donc, est-ce que cette athlète-là va être prêt, même si c'est lui qui est choisi, psychologiquement, s'il y a un coup, il va prendre un coup sur la tête. L'athlète qui va le remplacer, est-il prêt? L'a-t-on préparé? Comment vont se faire toutes ces choses-là? J'aurais aimé avoir le président de la fédération pour qu'il nous donne tous ces éclaircissements. Pour moi, son son de cloche. Pour nous plutôt, pour la presse algérienne, pour les 42 millions d'Algériens, c'est Hamza Bourras qui a battu sur le fil le malgache. Donc si c'était pas Hamza, j'étais présent. Si c'était pas Hamza dans la dernière course qui avait battu le malgache, c'est le malgache qui serait parti aux Jeux Olympiques. On n'aurait eu aucun Algérien aux Jeux Olympiques. Hamza s'est qualifié. Hamza a ramené ce titre de champion d'Afrique. Hamza a ramené cette qualification. Il fallait en parler tout de suite. J'ai eu même des échos. Même au niveau de la fille, Bréchier, je pense, qui est à Oran, qui elle aussi a dominé sa spécialité RSX, même là, on pense à la changer et à mettre une seconde fille. Pourquoi? Point d'interrogation. Voilà. J'aurais aimé que M. Hassan Dilani essaie de la voir au téléphone. Donc c'est Agnès. Voilà. Pour Hamza Bourras, affaire à suivre. Les brèves internationales signées Sid Ahmed Bouraïb et on se retrouve juste après.
13e Coupe de France pour le Paris Saint-Germain opposé à l'AS Saint-Étienne en finale dans un stade où environ 5000 spectateurs ont pu assister à la rencontre. Et pour le premier match officiel en France depuis le 10 mars dernier, les Parisiens n'ont pas raté l'occasion d'ajouter un nouveau trophée à leur palmarès. Ce match ne s'est toutefois pas déroulé sans encombre pour le PSG. Après l'ouverture du score par Neymar au quart d'heure de jeu, Kylian Mbappé, l'attaquant vedette du club, est sorti sur blessure en première mi-temps après un violent tacle du capitaine stéphanois Loïc Perrin exclu. Le vétéran de 34 ans disputait pourtant le dernier match de sa carrière. Avant le coup d'envoi, une minute d'applaudissement a été observée en hommage aux victimes du Covid-19 et au personnel médical au premier rang face à la pandémie. Une autre finale attend le club parisien vendredi prochain, cette fois-ci pour le compte de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique Lyonnais, avant de croiser le fer face à l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions. Le Graal européen, qui reste la priorité depuis maintenant plusieurs saisons. Remportant le Grand Prix d'Andalousie, Fabio Quartararo est désormais l'unique Français vainqueur de deux Grands Prix dans la catégorie Rennes. Il est aussi seul aux commandes du classement mondial. Et à 21 ans, il devient le deuxième pilote le plus précoce à réaliser un doublé de victoires. Belle triplette pour le genou. En terminant troisième, la légende vivante de MotoGP Valentino Rossi renoue avec le podium pour la première fois depuis avril 2019. La dernière victoire du recordman absolu de podium obtenu en Grand Prix remonte quant à elle à 2017. L'Espagnol Maverick Vinales a lui terminé deuxième. A noter que les trois premières places sont toutes revenues à des pilotes de l'écurie Yamaha. Le Grand Prix de République tchèque sera le prochain rendez-vous du championnat du monde. La course se tiendra le 9 août prochain. Avec 4 mois de retard, la saison de baseball a enfin démarré en Amérique du Nord. Contrairement à la NBA ou la MLS qui ont formé des camps coupés du reste du monde pour se protéger au mieux du coronavirus, les 20 franchises de MLB joueront dans leur stade à huis clos. Le principe de 3 ou 4 matchs enchaînés entre deux mêmes équipes est également maintenu. De nombreuses mesures sanitaires sont bien entendu également au programme. Et pour le premier match de la saison, les Yankees de New York sont venus à bout des champions en titre, les Washington Nationals, 4-1, dans une partie qui n'est pas allée à son terme, en raison de la pluie qui s'est abattue sur la capitale américaine. Au total, 60 matchs se disputeront lors de cette saison, raccourci de l'un des sports les plus populaires aux États-Unis. Pas de tournoi de tennis en Chine en 2020. C'est ce qu'a annoncé l'ATP, suivi quelques heures plus tard par la WTA. Le tournoi de Washington, qui devait être la rampe de lancement pour la reprise de la saison, a également été annulé. Parmi les tournois annulés figure également le tournoi féminin de Wuhan, qui promettait d'avoir une forte portée symbolique dans la première ville au monde touchée par le nouveau coronavirus. Selon les tenants du tennis mondial, cette décision est en phase avec celle des autorités chinoises, qui avaient décidé de suspendre les compétitions sportives internationales en 2020. Ces annulations en cascade font peser une pression supplémentaire sur la tenue de l'US Open, prévue fin août, malgré l'optimisme affiché par ses organisateurs. De nombreux joueurs ont déjà émis des doutes quant à leur venue dans un pays où la pandémie de coronavirus est repartie de plus belle et où le nombre des cas positifs s'élève à plus de 4 millions, dont plus de 140 000 décès. Les cadors Novak Djokovic et Rafael Nadal ayant déjà porté leur choix de prendre part à la saison de terre battue et de se concentrer sur Roland Garros. La victoire et le titre pour la Juventus. Vainqueur de la Sampdoria lors de la 36e journée de Serie A, ils sont officiellement champions d'Italie pour la 9e fois consécutive, la première sous les ordres de Mauricio Sarri. La vieille dame est championne pour la 36e fois de son histoire. L'Italie, qui a été pendant un temps l'épicentre de la pandémie de coronavirus, a réussi son pari. La saison footballistique est allée à son terme. C'était un tour d'horizon de l'actualité sportive internationale. On reste avec l'information internationale et ce qui a fait, ce qui était marquant, c'est la fin de la semaine dernière, c'était ce compte à rebours lancé donc à une année des Jeux Olympiques, J-365, et c'était un événement à une année. Donc c'est un événement pour tous les Japonais qui prenaient un petit peu des selfies avec l'horloge.
du compte à rebours. Même une année avant, M. Liamani, c'est un événement marquant. Il faut marquer le point. On sait une année avant. Une année avant, c'est demain. C'est demain. Oui, allez-y. Oui, enfin, les Jeux Olympiques ne se préparent pas la veille. Ils se préparent très longtemps à l'avance. Et je pense que les Japonais, même s'ils disent qu'il y a des problèmes, ils sont prêts. Ils sont prêts à... Mais au moins, l'excellence. Et l'excellence... avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est très difficile, dans la mesure où même le monde entier, qui doit en principe se donner rendez-vous à Tokyo, et si ça continue avec ce coronavirus qui est là, et permanent, ça va être difficile. Mais enfin, il faut être optimiste. Je vais être optimiste. En quelques mois, tout peut changer. Et j'espère que le rendez-vous de Tokyo, j'espère y être. Vous serez, Inch'Allah, puisque vous serez incontournable, surtout de ces Jeux, puisque vous avez participé à ces Jeux de Tokyo en 64. Et donc, c'est tout logiquement que vous serez présent. En tout cas, certainement, on va vous inviter pour être présent. On m'a susurré à l'oreille gauche ou droite, je ne sais pas, que si les Jeux s'étaient déroulés ces jours-ci, que j'aurais été un des invités d'honneur du Japon. Du Japon. Voilà. Donc, pour un petit peu ce compte à rebours, mais concernant les Japonais, dans le Dinhani, on va dire réjouissance discrète, puisqu'il y a plus de 30%, presque 40%, qui sont contre la tenue des Jeux Olympiques à Tokyo après ce qui s'est passé après la pandémie, surtout. Oui, il y a eu des manifestations qui se sont produites donc, au Japon. Donc, c'est un petit peu. Donc, ils se disent, tout cet argent qui est en train. C'est des sommes colossales pour faire des Jeux Olympiques. Hein. Ça coûte énormément cher, des Jeux Olympiques. Donc, ils se disent que ces sommes auraient pu servir pour combattre le corona, pour aider, pour ceci. Donc, c'est un combat qui est quotidien. Il y a d'un côté donc, ce Japon qui tient à organiser des Jeux Olympiques et un peuple qui est là, qui se révolte parce qu'il y a, comme ça se passe un peu partout dans le monde, hein, ça se passe un peu partout dans le monde. Donc, je pense que c'est des réactions tout à fait logiques. Et je pense que le Japon a une grande expérience dans ce domaine. Le Covid ne peut pas être un frein pour lui parce que il y a eu, les gens pensent qu'il n'y a que le Covid qui aurait pu gêner les Jeux Olympiques. Il y a eu des guerres qui ont gêné les Jeux Olympiques. Il y a eu des événements naturels, les tremblements de terre, beaucoup de choses qui auraient dû perturber des Jeux Olympiques dans notre pays. Donc les gens retiennent des leçons, les gens sont là. Ils essayent toujours d'avancer. J'espère qu'on prendra exemple. On attend toujours de prendre exemple et ça n'arrive pas. Ça... Voilà pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. Les sites également ont été dévoilés, ainsi que les mascottes et les médailles. C'est pratiquement des étapes incontournables de la tenue des Jeux Olympiques. Et c'est l'un des moments forts, les anneaux olympiques qui sont affichés à Tokyo, ainsi que le site. Donc vous commentez les images, M. Liamani, avec nous. Flambant neuf, oui, il faut le dire. De toute manière, les Japonais sont un pays organisateur de haute facture. Hein. De toute façon, dans tous les pays du monde, il y a des pour et des contre. Mais demain, si dans un mois, vous dites aux Japonais, vous avez les Jeux qui reprennent, est-ce que vous pouvez les organiser et recevoir tout le monde? Ils sont déjà prêts. Voilà, les médailles, de très belles médailles. Médailles d'or, d'argent. Est-ce que je peux dire quelque chose, oui, puisque je suis dans un forum de la presse. Dédié à l'Olympisme. Et j'avais également mis en évidence pourquoi on ne ferait pas un forum de tous les journalistes, la presse, la télévision, enfin tous ceux qui ont participé aux Jeux Olympiques et voir qui a participé aux Jeux. Parce que, En tant que journaliste, oui. Pourquoi ne pas faire un forum de tous ces journalistes, quelles que soient les rubriques, et montrer que les Algériens étaient présents. Et ont couvert les Jeux. Et non pas tout simplement,
On sait qui. Non, je veux. Et ça, c'est pour l'histoire. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Et puis, le musée olympique ne peut pas déroger à cet événement. Il faut que l'on sache qui a participé, qui, aussi bien athlètes, dirigeants, etc., et journalistes, pris dans toute la dimension. Monsieur Ouadhi avait écrit un livre à ce propos, donc il avait relaté l'histoire des participations algériennes aux Jeux Olympiques. Il avait même cité, je crois, des journalistes qui étaient présents, chargés de com du comité. Oui, olympique. Mais c'est la vision d'un seul homme. Oui. Il faut un forum de gens qui ont participé. Vous savez, vous faites un travail d'information qui est sensible et extraordinaire, parce que c'est à travers vous que les choses... On vit les Jeux Olympiques à travers la presse. On est les témoins. Oui. Mais si on banalise ça, sous la forme simplement d'un petit écrit égal... oui, ils ont participé. Non. Montrez-nous qui a été, et là, chacun va venir peut-être avec ses archives et les offrir gracieusement au musée olympique. En plus, les journalistes vivent l'intérieur et l'extérieur de l'événement. Ouais. Les deux situations. J'ai vécu les Jeux Olympiques de 1980 à Moscou. C'était le village olympique, c'était quelque chose, mais Moscou, c'était autre chose. C'était vraiment une préparation. Donc, fallait nettoyer Moscou. Nettoyer donc de personnes, d'individus, de choses que les journalistes et les touristes ne devaient pas voir. Donc c'est tout ça dont parle Monsieur Lazaré, qui devrait être intéressant pour l'Algérie également, au cas où un jour on venait à organiser ces Jeux Olympiques. C'est un appel. En tout cas, puisque vous parlez de pays arabes qui doit organiser une édition des Jeux Olympiques, Qatar a annoncé qu'elle a l'intention de se présenter pour les Jeux de 32. Allez, on va écouter Thomas Bach, le président du CIO, lancer un message à une année de la tenue des Jeux de Tokyo. Tokyo 2020 and 2021 can, should and will be the... Tokyo 2020 sera, on l'espère, une lumière pour l'humanité qui traverse actuellement une période délicate. Ces Jeux seront un symbole de solidarité et d'espoir. Organiser les Olympiades dans ces temps de pandémie était impossible. Et même dans un an, nous devons être prêts à tous les scénarios possibles. Notre plus grande priorité reste la santé des personnes. Je voudrais aussi apporter mon soutien à tous les athlètes qui ont été pénalisés par ce report. Nous sommes satisfaits car les structures devant accueillir les épreuves sont presque toutes achevées. This is a mammoth task. Ouais, c'était Thomas Bach, doublé par notre collègue Sid Ahmed Bouraïb. Voilà donc pour le message, donc il fallait rassurer l'ensemble des acteurs du sport au niveau mondial, et c'est un passage oblige pour un président du CIO. Oui, c'est l'entité internationale qui lance un appel. C'est le comité olympique, mis à part les Jeux olympiques, c'est un message de paix et de... Généralement, oui. C'est ça. C'est le seul événement à travers le monde qui rassemble le monde entier. Et ça, c'est... Et c'est là, à l'intérieur de ces Jeux, que l'on se rend compte qu'il y a quelque chose autre que les guerres et les famines et les etc. Il y a cet exercice d'amitié, ouais, de fraternité. Transmettre. Il n'y a que le sport à l'heure actuelle qui est en mesure de le faire. Surtout de par une conjoncture... par rapport au Covid-19, donc il faut trouver les mots justes pour rassurer l'ensemble des sportifs. C'est sûr. Vous savez, quand on sort dans la rue, les gens, malgré tout, même si on dit qu'ils sont inconscients, ils sont conscients d'une chose, c'est que prendre ces précautions, c'est entre la vie et la mort. Il n'y a pas d'autre alternative. Et le sport, c'est la vie. C'est l'espoir, c'est l'amitié, c'est tout ce que peut véhiculer un être humain. Et c'est surtout continuer à faire du sport dans pareilles conditions. Absolument. Le sport ne doit jamais s'arrêter.
on n'a jamais cessé de parler de tout ce que le sport pouvait ramener dans une nation. On a parlé d'avant-guerre, d'après-guerre, de messages. Il vient de parler des Jeux Olympiques qui symbolisent, mais alors qui met fin à tous les tabous. C'est l'amitié, il n'y a pas de racisme. Il y a pas, tout est oublié à l'intérieur du sport, à l'intérieur de ces Jeux Olympiques. On devrait s'imprégner de ça pour voir que le sport est quelque chose d'indispensable dans la bonne marche d'une nation. C'est très important le sport, surtout le sport de haut niveau. Ça montre un petit peu l'état de santé. On ne calcule pas l'état de santé d'un pays par rapport à son économie ou à autre chose. Mais le sport, c'est un vecteur très, c'est une très... vitrine. C'est la véritable vitrine, le sport. C'est la véritable vitrine. Et on le voit, quelles sont les nations qui dominent au niveau du sport. C'est les grandes nations. C'est les grandes nations. Et chacun essaye de surpasser. Regardez nos voisins immédiats, la Tunisie et le Maroc. Et le fait d'essayer de dépasser au niveau de l'Afrique, de dominer au niveau de l'Afrique, c'est déjà important. C'est déjà dans un continent, on est champion dans un continent. Ensuite, on va attaquer donc les plus grandes nations. Une bataille de leadership. Il n'y a pas meilleur vecteur, meilleur, comment, je ne sais pas comment qualifier ça, qui peut donc montrer l'état de santé d'un pays. Voilà, c'est bien résumé et bien dit. Le message actuellement à présent des organisateurs envers tous les sportifs du monde, c'est un message riche en émotions, comme vous allez le découvrir. Même si vous ne comprenez pas le japonais, vous allez comprendre un petit peu le sens et à travers les belles images d'émotions que nous vous offrons. 7月24日, 東京, 見上げているはずだった。 今まで当たり前だと思っていた未来は一夜にして別世界のように変わる。できる全ての努力をしている。どんなに小さな努力でもそれが無駄だとは決して思わない。スポーツがくれる勇気や人との繋がりは本当にかけがえのないものだから。そしてもう一つ、 スポーツは決してアスリートだけでできるものではない。そのことを忘れないようにしたい。これからも感謝と尊敬を胸に前に進んでいこうと思う。一人のアスリートとして2020プラスワン。 Ouais, la flamme des Jeux Olympiques de Tokyo qui restera, M. Lyamani, allumée malgré la pandémie, malgré toutes les difficultés. On vient de voir à travers les images un hommage également rendu au corps médical. Les Jeux de Tokyo seront là bien présents dans une année. Moi, j'espère, puisque les Jeux Olympiques, c'est l'espoir. Hein, le monde n'est pas simplement fait de paix. Il y a partout dans le monde, il y a des guerres, il y a des virus, ne serait-ce que les catastrophes naturelles. Donc si à chaque fois il faut arrêter ces Jeux Olympiques, on ne fera jamais rien. Et d'ailleurs, le message ici, c'est un message d'espoir. Je dirais tout simplement à ceux qui dénigrent. Si vous dites 10 mots de dénigrement, laissez-en un, quelque chose en direction des athlètes qui se préparent pour nous représenter, oui, pour les Jeux Olympiques prochains. Donnez-leur un espoir, encouragez-les, etc. Et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Parce qu'il est très facile de dénigrer, très facile. C'est, chose facile. Ouais, mais aujourd'hui... Nous sommes autour d'une table, et si on s'était lancé dans le dénigrement, je crois que on sortirait d'ici crispé avec le corona qui
qui nous prend à la gorge. Non, il y a... C'est une émission d'espoir. Oui. C'est une émission qui mériterait d'être, disons, répétée à travers les réseaux sociaux et que l'on parle plus, qu'on en parle des Jeux Olympiques comme la plus grande défaite et que l'Algérie soit présente avec ses meilleurs éléments. Voilà, il n'y a pas mieux pour terminer. Du coup, ça me donne envie de me mettre au japonais. Voilà, on va essayer d'apprendre le japonais. Merci beaucoup, Sylvie Amani, pour votre présence. Comme, pour cette invitation. Ça m'a... C'est un honneur. Je suis encore plus ému que la première fois. Et longue vie surtout, et espérons qu'on vous reverra sur d'autres plateaux pour rappeler encore une fois aux jeunes d'aujourd'hui la réelle histoire du sport algérien et de l'olympisme algérien. Merci. Moi, j'espère que pas uniquement sur les plateaux, M. Razari, M. Yamani devraient être sollicités uniquement pour donner de son expérience. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, et l'expérience, on ne la jette pas, on la conserve et on l'utilise. Voilà, je voudrais juste présenter des condoléances rapidement. À la famille du handball, donc, Lamine Belfodil, membre du bureau fédéral, qui s'est éteint il y a 2 jours. Nos condoléances à la famille du défunt. Voilà, nos condoléances. Merci Nordine, merci Monsieur Liamani. On se retrouve, Inch'Allah, dans d'autres circonstances. Merci à l'équipe du studio numéro 7, à leur tête Wafa Rawati, la réalisatrice, et Fodil Nordine, notre script, et à la saison prochaine, Inch'Allah. Et puis n'oubliez pas, restez confinés, surtout respectez les mesures de confinement. D'ici là, portez-vous bien, Inch'Allah, la saison prochaine. On se quitte sur ces belles images. 私も大きな病気をしたからよくわかる。愛おしく。